petite Tristana au top là, contre Camille Grasp. Est-ce que tu penses que cette saison est plus dure que les anciennes? Bah ça veut rien dire en fait. Plus dure pourquoi, pour qui, par rapport à qui, par rapport à quoi? En vrai c'est ça que l'autre compte est démote, mais bon fallait que ça arrive. Hein. En vrai c'est vraiment triste. Genre en D1 Master, faire 3 games pixel avec Shaco et perdre les 3, c'est vraiment vraiment très rare quoi, genre c'est vraiment illégal. Mais bon, happens. C'est passé, il faut l'accepter. Il faut evolve. J'accepte cette claque. Et je vais de l'avant. C'est parti. Peut-être qu'il botte là en early. Oh, il est mort. Faut avoir un pile. Oh, il est gardien open. Il a exhaust, hein. Putain, notre top side est tellement faible, là. Ils ont Rengar triste. Je peux rien faire. Je sais pas du tout où est le Rengar. Ok, Rengar a pris mes camps. Il a juste pris un blue. Faut que Tristana décale, là. Enfin, Lissandra, pardon. On perd, je pense. Après, il a pas de raid. Non, la Camille décale pas. On va faire ça et back. Au final, le Rengar est même pas devant moi en farm. C'est reparti. Je l'ai E. Flash, vite! Mais. Ah oui, elle a attendu qu'ils prennent le shrine de vitesse de déplacement. Excellent. Non, mais je reconnais ça. C'est un kill plus assist plus freeze. J'espère qu'on ne va pas perdre cette game après le démode sur l'autre compte. Ça serait pas de chance de perdre contre ce Rengar. Oh, le trait qu'elle vient de prendre, c'est terrible. C'est vrai qu'avec le nerf du Seeker, elle est pas si bien que ça. Je suis obligé d'aller mid en fait. Il a pas de dash? Je savais pas. Ah mais oui, il l'a use pour trade, je suis trop con. Moi je voulais juste le poke, le Z, mais. C'est vrai qu'il l'a shadow, genre. Enfin, il a utilisé sa shadow. Winnable, on va rush Berserk. Après, en faisant Berserk. Potion et tout, t'es quand même bien ralenti sur la dague dentelée et tout, mais bon, ça reste strong. Ah, il perd ma fight au bot alors qu'il y a Rengar. Et ils se rendent pas compte que c'est de la merde ces trades. Parce que la hache peut pas jouer en fight contre leur team. Bloque-le, mais what the fuck. Là faut qu'elle avance vers lui pour avoir la vision dessus. Bon bah shutdown, red buff, XP bot, le Rengar est even, voire devant moi. J'espère que ça vous met bien. On va flip ça, hein. Ça va être une game dure. Hein. En fait la game est déjà doomed. À partir du moment où notre bot lane, à partir du moment où ils ont un Karthus qui a quasiment 10 CS minutes, 2 kills en single AP, la game elle va être très très dure genre. Izard engage avec Rengar Z, Karthus press R et bonne chance à tous. La Camille peut gagner hein, avec Ignite et son Q-spell. J'arrive, meurs pas. Je crois qu'il a pas fait son back. Il perd l'ulti Karthus là-dessus, c'est insane. Attends, j'ai un play de ouf là. J'ai pas de play de ouf. Putain de Z. J'avais un free herald là-dessus, mais malheureusement Z est là. Ok. Et Lissandra, ça va vraiment les rendre fous. Hein. Contre Rengar Z, enfin. Le pic est tellement pixel. On va essayer de cop ça.
Je vais smite maintenant pour mettre mes smites en CD. Y'a aucune raison que Rengar vienne de toute façon. Je comprends pas, genre, enfin ça n'a aucun sens en fait. Je pensais qu'il... J'étais sûr qu'il allait me le voler hein. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Ok, il me faudrait une plante. Non, je vais plutôt faire mes camps. Into reset, into herald. On n'a pas intérêt à perdre cette game, hein. Je vous le dis. Après avoir lose 3 game pixels sur l'autre compte et des mods, si je perds celle-là, go cut le live et regardez une série. J'ai vraiment besoin de back. Attends, ils font quoi là au top? Je ne sais pas ce qu'ils branlent en face. Ok, on va jouer les drakes. Faut juste stacker les drakes, jouer autour de Lissandra. Le problème, c'est que j'ai build un énorme shutdown. Non, elle s'est fait gardien. Non, mais c'est cringe le gardien. Non, mais en vrai, le gardien, c'est sad. Genre, vraiment, c'est turbo cringe. Voilà ce que j'en fais de ton gardien là. Faux back, hein. Ok, ok. Un conseil quand vous êtes dans cette situation avec Shaco, regardez l'icône au-dessus de votre barre des sorts. En regardant l'icône au-dessus de la barre des sorts, tu sais quand l'ulti va pop et tu peux pas le rater en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, tu vois la petite icône du Requiem et low BPM. En vrai, j'étais pas low BPM, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, si je donne 1000 gold au Karthus, c'est pas la même game. En vrai, ça pue un peu, hein. J'ai eu le temps de la E. On était vus. Ok, c'est vraiment nice. Le fait qu'on trade 1 pour 1 là-dessus alors que c'est vu, qui sont 3, c'est huge, je vais herald mid. Le problème c'est que je dois clear mes camps. Est-ce qu'on peut faire charger le herald sur les plates? Le Z qu'il a mis, c'est ça, non? Je fasse mes camps là. Faut qu'on joue le Drake. Avoir un petit océan, c'est pas mal contre leur compo en plus. Ils ont pas encore leur ulti Z. Enfin, le Z a tout claqué donc on est censé être bien là. Le problème, c'est que j'ai 1000 gold sur la tête. C'est horrible, genre. Oui, oui, vous allez rester devant moi, oui. Bah oui. Bah oui, les gars. Bon, faut que je fasse gaffe, ils peuvent me turn. Parce que là, j'étais coincé entre le Requiem et le Z qui doit me turn. Heureusement que... En vrai, un Z haut et low me tue, là. Un Z très smart. Je suis mort là-dessus, normalement. J'ai fait une petite erreur, je pense. Âme infernale. Oh non, elle a pas R. Après, elle avait son E, je peux comprendre. Très bonne ulti, ça. Oh non! Oh mon Iron Whip a pas touché, mais j'ai tellement d'AD que j'ai un ratio assez élevé sur le E. C'était close. Ok, faut qu'on aille voler tout leur camp là.
faire gaffe, hein, les games Rengar Karthus, c'est toujours piège. Ils peuvent hunt nos shutdown. Sad. Bon, c'est une honte cette ulti Séraphine. Après ça va, le Rengar à R. En vrai sans l'ulti Rengar ils peuvent pas faire grand chose, donc dès qu'ils le use on est plutôt content. Non là go buy. Là faut back, hein. Faut back et faire nos camps. J'ai 2000 gold. Est-ce que je peux la one shot? J'ai un blue smite quand même. Nice, j'hésite à faire une Edge of the Night vu que je suis vraiment faible. En fait, par rapport à mon shutdown, j'hésite à faire une Edge of the Night. Mais là, Yumu est broken contre leur team aussi. Je pense que je vais faire Yumu et je vais faire la Kindle Gem. Vu que je vais faire un Gore Drinker. Parce que là, avec les 800 gold qui me restent, je pense que c'est le meilleur achat. Si j'avais pas de shutdown, j'aurais plutôt pris Crit et Pink. Ouais, je sais pas. On va one shot le Drake. Le Herald peut nous mettre bien. Oh, il y a une TP. Flanque de Lys, la volée qui touche. Ça a même touché Rak. C'est ouf, hein, l'ulti Séraphine, en fait, je sais pas si vous savez, mais plus ça touche d'alliés, d'ennemis et d'alliés, plus le projectile va loin, en fait. Il s'allonge à chaque allié et ennemi touché. Stylé, hein. Là, par contre, ils peuvent int au mid. Après, Rengar a pas de R, donc ça devrait aller. Ça, elle a l'air en forme, en vrai. On peut one shot Nash derrière. Ils auraient pu aller sans moi, je one shot le Drake. Séraphine, elle nous donne un peu de MS. Oh les gars, c'est pas pour faire le malin ou quoi, mais je suis content parce qu'en ce moment je suis vraiment pixel sur Shaco. Si on continue comme ça, on va vraiment sulfure au grain. Hein. Faut re-rush rank 1 Shaco très très fast là. Bon, après, ça reste du master, mais bon. Quand mon top et mon support ne sont pas en astro int, les games sont carryable. Je vais faire le Gore Drinker. Gore Drinker donne quand même quelques dégâts. Bon allez, au lieu de mettre du 240 avec l'actif, je mets du 336, pas dégueu la différence. Surtout que là, le faire en troisième item, c'est bien cette game parce que j'ai un shutdown de 1000 gold sur la tête. Et ça peut me permettre de survivre jusqu'à avoir récupéré mon Q-spell. Sans que j'ai aussi une Séraphine pour me piler et tout, c'est en vrai c'est pas mal. Ça a dû le mettre bien, le Rengar. Mais attends, mais c'est une blague. Un frérot. Aller genre plus loin là. Attends, il y a un passif de Lissandra même quand elle a pas l'assist. Faut juste que le mec meure à côté. Ok. Là, faut voler tous les camps, faire le Drake et on finit la game. Donne pas ton shutdown, s'il te plaît. Ah, fuck, il m'a exhaust, du coup, je le tue pas.
Faut pas que je commit là. J'aurais pu l'ignite mais... Pas besoin d'ignite, c'est fine. En vrai, faut vraiment tryhard de chaque seconde, nanoseconde de la game sans rien relâcher. C'est toujours losable, genre. XD meta shutdown. Je suis à combien du Dominique? Faut qu'il m'attende au Drake. Je vais faire mes camps pour avoir Dominique. Et puis on sera au max. Ah, le spike qu'on a, c'est ridicule. Hein. Quand t'as ces items-là, tu es plutôt bien. Quasiment 100 d'armor pen avec le dash. Un peu moins, quand même. 80. T'as de la mobilité avec la Yumu. T'es tanky, t'as du lifesteal, t'as... Enfin, c'est juste XD, quoi. Un peu limite soul Nash. Let's go! Tu devrais te calmer avec la cigarette. Ça marche. Enfin, je sais même plus quoi répondre à ça en fait. Ouais.